huile 100% arachide, c'est notre huile. Le rapport même, non? Ils nous ont dit si c'est comment on va faire des manifestations à l'épicerie. Ils disent si dans le chaos c'est ça, et puis ils nous ont demandé si c'est ça là, laisser le tram, le tricycle ramper. Mais une personne handicapée ramper là, avec quatre pattes là, tu vas prendre les marchandises là, autant. Tu es chien, tu bats tout. Est-ce que tu bats tout? Donc j'ai dit, ils ont dit, même si ce n'est pas le président de la République, ni le premier ministre qui dit, la ministre en charge dit, ou le président de la République, il y a ceux qui sont là, là. Donc j'ai dit, sur les chrétiens, j'ai dit, hein, Jésus disait que beaucoup de gens viendront par son nom. C'est ça, beaucoup de gens viendront par son nom, mais maintenant les gens font, les gens nous torturent au nom du gouvernement tchadien, il y en a. Mais si maintenant là, s'ils nous répondent, s'ils nous assistent là, nous, la reste quoi? C'est le remerciement seulement. Merci, Choukran Hakuma. Merci, gouvernement. Merci, État. C'est juste ça. Est-ce que dans l'armée, vous avez vu les personnes handicapées? Non! Et j'ai dit non et oui, fort. Et nous les attendons au 72h, 80h, on ne donne pas. Mais les jours que suivent, la peut-être, ça serait grave. Là, mais Inch'Allah, que Dieu soit loué. Comme elle est venue, elle nous a écoutés. Nous demandons aussi l'appui de 212 pour la Fidreco qui nous aide. Nous, juste ça seulement. On n'a pas de raison. On a de belles femmes. On a de beaux enfants. Nous enfants à l'école, on est très intelligents. Mais on est abandonnés là, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens nous disent, nous sommes des rebelles. Mais nous sommes des vous savez pas, les hommes politiques. Quels hommes politiques? Les hommes politiques ici au Tchad là. Leur parti là est subventionné par l'État tchadien, non? Ils ont 5 millions par mois, non? Par an ou je ne sais pas. Ils ont 5 millions ou je ne sais pas par an. Pourquoi l'État tchadien ne les a pas renvoyés du pays? Mais ils sont là. Mais nous, ils disent que les hommes politiques nous ont poussés. Non, non, non. Ça c'est Kadab. Kadab dans Mayabga. Ce que nous voulons là, aidez-nous. Et vous allez voir, est-ce que prochainement on va repartir à Kouzou? Est-ce qu'on est réfugié au Mali? Est-ce que nous on est en train de voir si dans le camp on va négocier pour le Soudan maintenant? Bon, mais si là, nous autres, on va repartir au Soudan. Ou même Turc, on va aller. Nous vous remercions. Mmh.